création des savons zéro déchet pour emporter sur la Lune, parce que les savons actuels sont pleins de produits chimiques avec des emballages inutiles. Ils sont faits avec de l'huile, du miel, des copeaux de savon, de l'eau et avec des végétaux de notre choix. Vous avez fait ça quand et comment ? Aujourd'hui, on va vous présenter la chromatographie. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous avez fait ? On a trempé du papier. Il y en a un qu'on a trempé et un qu'on n'a pas trempé. Et puis, on a vu que ça avait décomposé. Tu fais un point qui tient sur la feuille. Et tu trempes un et il y en a un que tu trempes. Tu trempes un tout petit peu comme ça. Et puis on attend que ça monte. Non, et il faut le mettre dans l'eau jusqu'à temps que ça monte. Quand on a trempé le rouge, on a vu que ça ne s'était pas décomposé. Quand on avait trempé le jaune, on avait vu aussi que ça ne s'était pas décomposé. Quand on avait trempé le bleu, on avait vu aussi que ça ne s'était pas décomposé. Ça s'est juste étalé. Parce que c'est des couleurs primaires. Alors, pour le orange et le rouge, comme ça ne s'était pas décomposé, comme nos feutres, peut-être qu'ils ne marchaient pas bien, on a fait des hypothèses et on s'est demandé comment est-ce qu'on allait reconstituer le orange et le rouge. Donc, on l'a fait avec la peinture. Vas-y, Léo, à toi. Alors, le orange. Le orange, on a vu qu'il y avait un peu de jaune et un peu de rouge. On a mélangé, après ça faisait du orange. Allez, vas-y, Ryan, explique-moi.
Préférée, qu'est-ce que tu nous présentes? Je vais vous présenter la première expérience. Ok, alors qu'est-ce que tu fais? On a pris un verre avec de l'eau fermée et de l'eau ouverte. Deux jours plus tard, on avait vu que le verre avec sans couvercle, et ben, il avait baissé. Et l'eau avec le couvercle, et ben, et elle avait pas baissé. Dans un pot fermé, et ben, l'eau ne peut pas s'évaporer. Et quand elle est ouverte, l'eau, et ben, elle s'évapore. Allez, c'est fort. Dis-moi, qu'est-ce que nous avons devant toi? En fait, on a mis de l'eau à une quantité et on a marqué là où il y avait la quantité. On a marqué là où il y a la quantité. Ensuite, on a mis une plante avec un couvercle et après, on avait vu que. Après, on avait vu quatre jours plus tard que après que l'eau elle a baissé. Donc du coup, on a vu que la plante elle a bu l'eau. Du coup, on a compris que même l'eau, si elle est fermée, donc du coup, elle ne peut pas s'évaporer. Alors, c'est la plante qui l'a bu. On a pris un pot, on a mis de l'eau avec du colorant alimentaire, on a mis une plante et on voulait voir si la plante était obligée de boire l'eau polluée. Et on a découvert que ses pétales devenaient un peu bleus. Et pour conclure, la plante est obligée de boire. Alors Sabri, qu'est-ce que toi tu vas me montrer? Comme ma camarade vient d'expliquer, on ne peut pas enlever l'eau polluée. Donc on a fabriqué un filtre à eau. Ici, nous avons de l'eau sale. Il y a de la terre et de l'eau. On l'a fabriqué avec un pot, une bouteille percée, du sable, une vieille chaussette, du coton et aussi du gravier et des cailloux. Là, j'en ai mis un peu. Et comme on peut le voir, ça goûte. C'est pas de l'eau très 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 propre, mais c'est déjà mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler du blog. On a fait quelques expériences. La première expérience, on a construit un labyrinthe pour voir si le blob il retrouve son chemin pour sa nourriture. Oui, il l'a retrouvé. La deuxième expérience, on a mis de la nourriture dans les côtés. On a mis du fromage, de la tomate, de la saucisse, des flocons d'avoine et de la salade. Il est parti sur le fromage, mais après il l'a pas goûté. Il est parti sur la tomate et il s'est découpé. Alors il est parti un côté de lui sur les flocons d'avoine et un côté de lui dans la tomate. Alors ça veut dire qu'il aime les flocons d'avoine et la tomate. On a fait une troisième expérience. On a voulu colorer le blob comme un change de couleur. On l'a coloré en bleu. On l'a coloré en bleu avec ça a pas marché. Il n'est pas devenu bleu. Alors on a coloré sa nourriture, mais ça a toujours pas marché. Et la dernière, ça n'a pas marché. On a coloré la gélose et ça n'a pas marché. Alors les trois expériences, ils n'ont pas marché. Si c'est un être vivant, il a un cycle de vie. Son cycle de vie, c'est un
un false mode. Après, il devient comme ça. Après, il, c'est un sport. Et après, il remet. Et après, il redevient un place mode. Et après, ça tourne. Et après, comment réveiller un blob quand il est endormi, et ben il est dans. Et ben ça s'appelle un sclérose quand il est endormi. Et il est dans un papier où il est sur le papier, le blob. Et après, pour le réveiller, on a fabriqué une gélose pour qu'on le mette dans, on le mette sur la gélose. Après, on l'a humidifié parce qu'il il vit dans les endroits humides. Alors, on l'a humidifié. Après, on lui a donné des flocons d'avoine. Il aime ça. Et bah après il est descendu. Notre meilleur blob, il s'appelle Blobby. Unicellulaire, il est composé d'une seule cellule. C'est ni animal ni végétal. On peut dans la nature, il se nourrit de champignons. Et puis ça coûte trop cher, du coup on préfère utiliser les flocons d'avoine. Il faut qu'il vive sur un endroit humide. On met dans des boîtes de pétri, c'est des boîtes rondes, avec de la gélose. On a fait 3 expériences. Commencer par l'expérience des aliments. J'avais mis une grosse boîte comme ça, avec le blob au milieu. J'avais mis une fraise, des cacahuètes, des pâtes, de la poudre de noisette, des céréales croustillées et des céréales cornflakes. Le blob, il a été sur les cacahuètes, sur les pâtes et un petit peu sur la fraise. Du coup, on sait qu'il n'aime pas les trucs sucrés. Alors, ensuite, la deuxième expérience, c'était la coloration. J'avais pris un pot dont j'avais mis des flocons d'avoine et j'ai mis du colorant, puis j'ai secoué, puis j'ai laissé chasser pendant environ une semaine. Et du coup, il a été mangé les flocons d'avoine parce que je l'ai disposé sur une grosse gélose. Et du coup, il est devenu de la couleur des flocons d'avoine. Et la troisième expérience, le labyrinthe. J'ai fait un labyrinthe en Lego avec la gélose, du coup. Et du coup, il a été manger les flocons. En fait, il a été partout dans le labyrinthe manger les flocons d'avoine. Ensuite, je voulais voir s'il avait mémorisé le labyrinthe. Du coup, j'ai remis les flocons d'avoine à un autre bout du labyrinthe. Et en fait, il s'est échappé du labyrinthe, puis ensuite, il a fait le tour, puis il est allé manger. Et aussi, il faut l'exposer à l'ombre, parce que si on le laisse trop longtemps au soleil, il va dessécher. Et la moisissure, c'est son pire ennemi. Et du coup, il faut changer à peu près de gélose tous les 3-4 jours. D'aller sur la Lune, donc programmer un robot pour qu'il suive un trajet sur la Lune pour aider les astronautes dans leur travail. Et après avec ça, on a programmé notre robot. On a créé un objet aussi pour pouvoir qui transporte les objets. Il y en a plutôt un qui va s'occuper du projet, donc c'est-à-dire la mission sur la Lune, comment le rover, qu'est-ce qu'il doit faire le rover. Et après, il y a notre centre qui s'occupe de la programmation. Donc, comment programmer le robot avec une télécommande pour que chaque bouton fasse fonctionner le robot ou que le robot se déplace tout seul sur une ligne.
Donc il y a une partie explication de la Lune, vraiment tout ce qu'elle fait, les composants de la Lune et ça. Après il y a une partie un peu histoire avec tous les projets qui ont été faits sur la Lune. Il y a les satellites qui ont été envoyés, les robots qui ont été envoyés, un peu toute l'histoire qui suivant ce qui a été fait sur la Lune par rapport aux astronautes. Et après il y a la partie explication du projet avec toutes les démarches du projet qui ont été faites. Toutes les expériences qu'on a fait, les résultats qu'on a eus. Et après, on a fait des affiches et on les a affichées. Et des fois, quand on a du mal à dire quelque chose, on peut s'aider avec les affiches. On avait dans notre classe une affiche où il y avait écrit, on avait des défis que Audrey du Sultour nous avait dit de faire. Et il y avait un défi où c'était le défi alimentation. Et le but c'était de savoir quelle était la nourriture préférée du blob. Et il y avait, on avait le choix avec la saucisse, la tomate, le fromage, la salade. Et les flocons d'avoine. Et on a imaginé toutes sortes d'expériences pour savoir quelle nourriture ils préféraient. Et donc, on a vu qu'à peu près dans chaque groupe, on aurait dit qu'ils préféraient plus le flocon d'avoine et des fois avec le fromage ou la tomate, des choses comme ça. Et au début, on pensait vu qu'on pouvait des fois le trouver dans la nature, il pouvait préférer des choses comme la salade, la tomate. Mais des fois, ce qu'on pensait, c'était vrai, des fois, c'était faux. Du coup, la deuxième expérience, on a essayé de faire changer le blob de couleur. Et du coup, on avait deux couleurs. Soit on pouvait mettre une couleur ou deux. Et du coup, on avait choisi deux couleurs sur les flocons d'avoine. Et après, du coup, le blob, il est parti manger les flocons d'avoine et il a un peu changé de couleur. Ok, et donc j'ai l'impression de voir une expérience 3, si mes yeux ne font pas défaut. Oui. Alors, c'était quoi cette expérience? Du coup, on avait essayé de faire des labyrinthes. On l'avait essayé soit avec des bouts de papier ou des pailles qu'on avait découpées. On avait mis des flocons d'avoine d'un côté et le blob d'un côté. D'accord. Et le blob, comment il se comporte dans un labyrinthe? Ça va pour lui ou il a peur? Ça va. Il se débrouille bien. En tout cas, le labyrinthe avec les pailles, il s'est défait. Thank you.
Collège Saint-Exupéry vous propose différents ateliers, enfin, surtout un projet mission sur la Lune. On va expliquer comment on fabrique des fusées. L'atelier numéro 1, c'est deux élèves qui nous présentent notre voyage sur la Lune en version anglaise et française. Ils vont expliquer les différentes parties des fusées, mais en anglais. Ils vont aussi expliquer leur voyage imaginaire sur la Lune. Et quand vous parlez, certes, vous ne tournez pas le dos à votre public. C'est l'atelier Tinkercad. Sur une application, ils vont construire les ailerons, le corps de la fusée, enfin la fusée, sur une application. Et après, avec une imprimante 3D, c'est connecté à l'ordinateur, à l'ordinateur, et du coup ça crée la fusée qu'on a fait. Enfin pas la fusée, plutôt la base de la fusée. Oui, la base qu'on a fait. Ce qui va permettre, on va dire, de faire voler la fusée loin et assez haut. Ils vont expliquer et vous montrer comment on réalise une fusée à eau. Et ils vont vous montrer un exemple réalisé en classe. Ils vont lancer des fusées, donc dans une bouteille, ils vont mettre de l'eau plus de l'eau, tout simplement. Il y aura une pompe. On pose la bouteille sur la pompe et après, il y aura de l'air qui va se compresser à l'intérieur de la bouteille. Et quand on va appuyer sur un bouton, une manette... Sur un peu comme un frein de vélo. Oui, voilà. Ça va lâcher l'air et du coup, l'air, elle va sortir avec de l'eau et ça va la propulser. On présente toutes nos idées, ce qu'on a fait. Notre arbre météo. Oui, ce qu'on a fait au départ. On a commencé le 9 novembre, 9 novembre 2021. Au départ, on voulait faire une boîte en carton, sauf qu'on a vu que... C'est tombé, c'était pas assez fort. Et on a essayé le bois et ça a tenu. En fait, chaque matin et après-midi, on est allé voir la température du thermomètre qui était dehors. Et après, on le marquait sur quelque chose. On a présenté notre arbre météo. Tout ce qu'on avait en tête, on l'a regroupé et on avait expliqué tout ce qu'on avait fait. Avec un fond vert et on présentait la météo. Il y avait Laurent avec son téléphone qui nous filmait après. On faisait la météo, la température et les autres jours. Si on dit que c'est bon là. On est des élèves du lycée Marguerite de Navarre et on vient pour présenter un projet qu'on a réalisé tout au long de l'année.
dans le cadre d'une organisation nationale qu'on appelle Matin Jeans, réfléchir tout au long de l'année autour d'un problème, un problème général, et le but c'est de trouver une solution. Et ben donc nous on a présenté un projet avec une société d'écureuils qui font un partage un peu particulier. Du coup ils vont pas mettre tout en commun et puis en donner un à chacun jusqu'à ce que ça s'arrête et qu'il n'y en ait plus. Ils vont plutôt choisir de regarder combien de noisettes à chaque écureuil quand deux se rencontrent. Et du coup celui qui en a le plus va donner au deuxième autant que celui-ci en a. Par exemple, si j'ai un écureuil qui a 6 noisettes et l'autre qui en a 4, celui qui en a 6 va en donner 4 à l'autre. Et donc après, ils vont faire ce partage jusqu'à ce que ça aboutisse. Une situation d'égalité. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils aient le même nombre. Jusqu'à ce qu'ils soient égalité. On part avec un écureuil qui a 6 noisettes et l'autre qui en a 10. Voilà. Donc le premier va en donner 6 au deuxième, puisqu'il en a 6. Voilà. On arrive à 12 et 4. Donc maintenant, il en a 4, donc il lui en donne 4. Et là, on peut voir qu'on a bien 8 et 8 de chaque côté. Donc cette fois, on a réussi. On a une situation d'égalité de donc nombre de noisettes. Partage abouti. Voilà. Et donc il y avait un deuxième projet derrière nous, un deuxième groupe en fait, notre groupe était séparé en deux, un sujet autour d'un jeu de société, de stratégie, avec le but d'établir la meilleure stratégie possible pour gagner. Merci à tous d'être venus, vous avez été formidables et vos projets ont été impressionnants. Pour vous remercier, je vais exécuter quelques pas de danse rien que pour vous, mais ça reste entre nous, compris ? Merci à tous pour votre présence. À la prochaine.